Sur le plan économique, pour revenir à la situation factuelle d'aujourd'hui, c'est vrai que nous traversons des phases très difficiles. Vous le savez, nous le savons. Le passif est lourd et je ne vais pas insister sur ça. Sur lequel je dois insister, c'est les efforts de redressement qui sont engagés et qui ne tarderont pas à donner des fruits pour permettre à nos compatriotes d'espérer en un avenir meilleur. À titre d'exemple, le projet Simandou, les négociations, pour l'essentiel, sont terminées. Or, le projet Simandou, depuis des décennies et des décennies, était un projet qui était dans les pipelines, mais qui n'avait jamais été engagé jusqu'à arriver à un closing, c'est-à-dire que toutes les négociations sont terminées et que la mise en œuvre, c'est-à-dire sur le plan opérationnel, le processus est engagé. Je pense que d'ici quelques mois, certainement ceux qui voyagent à l'intérieur du pays se rendent compte qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours et dans un an, on espère qu'on sera à une phase très avancée du projet pour que la production effective d'extraction du minerai de fer puisse se faire. Et je dois dire, pour ceux qui l'ignorent, que le projet Simandou est le projet le plus important aujourd'hui dans le monde en ce qui concerne un projet minier. Près de 15 milliards de dollars d'investissement à travers le Transguinéen d'un côté, à travers le port qui est en train d'être construit, ce sont des investissements extrêmement importants qui vont au-delà de l'aspect purement minier. Le corridor du Transguinéen sera un corridor économique par excellence, avec des villes qui vont se créer, avec un afflux de la population vers ces zones économiquement qui seront beaucoup plus favorisées que d'autres. Donc c'est une situation qui nous amène d'ores et déjà à préparer l'avenir de ce bassin qui sera un bassin économiquement très attractif et qui permettra la présence d'unités industrielles et un secteur privé. Si nos compatriotes prennent, disons, le train en marche, il faut qu'ils se préparent à se dire c'est le moment d'être présent. C'est le moment d'être préparé à ce qui va venir et non pas attendre de voir comment les choses vont se faire pour dire maintenant on va courir derrière. Non, il faut savoir que dans les deux années, une transformation économique majeure de la Guinée se fera. Ça, c'est par rapport au projet de Simandou. Je peux parler d'autres projets. Le projet concernant le panorama entre Farana et Forêt-Caria, qui a été repris. Belle Zone avait eu des difficultés. Maintenant, le projet est en train d'être relancé. Lorsqu'on part du côté de Kamsar, il y a le projet Alteo, qui est une raffinerie pour traiter la bauxite pour avoir l'alumine. Et là aussi, c'est un bassin industriel qui sera un autre bassin qui complétera la gamme de l'extraction minière, de sa transformation dans un premier temps. Et lorsque nous aurons une capacité énergétique suffisante, parce que ça fait partie aussi de nos préoccupations et de nos ambitions d'ores et déjà, de processus de transformation du minerai de bauxite. Pour le moment, mettons le fer de côté, mais simplement le minerai de bauxite avec la transformation qui interviendra pour la décennie prochaine, pour être beaucoup plus mesuré, la bauxite avec les chaînes de valeur qui vont être utilisées sera ce que le pétrole est pour l'Arabie Saoudite. C'est cela notre ambition. Donc, dans la décennie suivante, avec l'aide de Dieu, la Guinée ne sera plus la Guinée que vous connaissez aujourd'hui.
Pour le présent, c'est-à-dire le court terme, la communauté internationale est en train de voir la Guinée sur une autre rampe, d'où le fait que récemment, les discussions avec le Fonds monétaire international ont été couronnées de succès. Et le Fonds monétaire international, le groupe de la Banque mondiale et d'autres institutions, je peux les citer, mais je préfère ne pas les citer tous, au risque d'oublier certains, la BID, la BADEA, etc., etc., nous accompagnent et nous ferons en sorte que par rapport au court terme, qu'il y ait des améliorations rapides, principalement en ce qui concerne la production d'électricité et les éléments connexes qui lui sont liés, à savoir la gouvernance du secteur de l'électricité dans notre pays. Nous avons eu, disons, la sagesse et la prudence de privilégier l'intégration des économies de la sous-région en faisant beaucoup plus appel pour la desserte en électricité de notre pays d'utiliser l'interconnexion avec le Sénégal et avec la Côte d'Ivoire. Et je dois vous dire que l'interconnexion avec ces deux pays est une bouffée d'oxygène majeure. Et j'en profite de cette conférence de presse pour remercier les autorités du Sénégal et les autorités de la Côte d'Ivoire pour leur coopération et pour l'excellente amabilité que ces autorités ont eue pour aller dans le sens de l'expression des besoins de la République de Guinée en ce qui concerne la desserte en électricité. Dans la phase actuelle, ça a amélioré la desserte en électricité. Nous nous en félicitons. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la question de l'électricité de manière globale est résolue. Il y a beaucoup d'aspects qui mériteront d'être traités. La vétusté des lignes de transport, une situation de gouvernance interne qu'il faut fondamentalement améliorer, et le gouvernement proposera, dans un laps de temps qui ne sera pas lointain, une approche au président de la République, et à ce moment-là, nous ne manquerons pas de vous le signaler. C'est pour dire que par rapport à la situation économique, nous sommes dans une pente ascendante qui doit être consolidée.